kobo na iyo mbae na mene mambo e mabuki mba miango. Kobo na iyo mbae na mene mambo e mabuki mba kwa lae. C'est au 15e siècle, en 1472, que des navigateurs portugais furent surpris par l'abondance de drôles de crustacés, ici même, au cœur du golfe de Guinée, presque exactement sous l'équateur, dans l'estuaire du Voré. Rio dos Camarões, voilà comment ils baptisèrent ce cours d'eau sur leurs cartes de routes maritimes identifiables. La mémoire d'un fleuve est un lieu privilégié d'histoire et de culture. Comme le Nil en Égypte ou le Gange en Inde, le fleuve par lequel le nom Cameroun est venu coule depuis la nuit des temps et accumule le fond de son lit des récits mythiques et des épopées légendaires. Au moment où justement les travaux d'un second pont sur le Voury sont engagés, que nous restera-t-il de ce vaste patrimoine culturel oral? Est-il nécessaire d'évacuer toute la portée symbolique de cette mémoire, des questionnements et bien d'autres? Autrefois en Afrique, comme partout au monde, chaque village et chaque communauté avait son conteur, qu'on le nomme griot ou poète. Entre le passé et l'avenir, le conteur seul avait le talent de conjuguer l'espérance et le souhaitable en un lien dynamique de génération en génération. Mais alors, avons-nous le droit de faire table rase de toute la dimension culturelle que charrie le fleuve Rio dos Camarões? La mémoire d'un fleuve est un lieu privilégié d'histoire et de culture. Au-delà de nos différences d'origine, de statut, d'instruction, nos différences de classe ou de religion, il y a toujours des mythes à travers lesquels nous pouvons encore tous nous reconnaître. Conscient par ailleurs que l'image est un outil capable de susciter de nouvelles représentations ou d'enrichir notre imaginaire, nous sommes convaincus qu'avec un traitement cinématographique inspiré et engagé, il est possible, et bien possible, de provoquer un déclic ou un puissant impact susceptible de transcender les tares et les préjugés qui très souvent empêchent la problématique républicaine et citoyenne de prospérer sous nos contrées. Voilà alors la preuve que désormais, nous pourrons toujours accomplir le rite de passage adéquat entre hier et demain. Ah, oh.